Ravanchaya, on est sur les hauteurs où se trouve Shmuel et Navi. Que vous inspire cet endroit? Le prophète Samuel, c'est extraordinaire, c'est lui qui a sacré le premier roi d'Israël, le roi Shaoul, ensuite le roi David. Et dans le Télim du roi David, il est écrit qu'il équivaut à Moshe et à Aaron, les deux réunis. Et donc, il est sur l'endroit le plus haut, l'endroit le plus haut de toute la région. Donc, on a vu l'extraordinaire sur Jérusalem, les alentours, les territoires qui ont été libérés, non occupés. Très bientôt, qui sont les nôtres, mais la prochaine. Amen. Voilà, on a d'ailleurs, si tu prends la caméra, vous regardez ici, il y a une petite colline circulaire. Sur cette colline se trouvait le village de Givon. Donc on vient de voir ici sur le photo, là, c'est la Givon biblique. Et il y avait là-bas l'autel, le sanctuaire. Parce que l'Israël, dans les âmes, un sanctuaire avec l'autel, le tabernacle, les tables de la loi. Quand ils sont rentrés en Israël, ils sont allés où? Ils sont allés à Shiloh. Après, c'était déplacé à Nov. Et en fin de compte, à Givon. Ici, sur cette colline circulaire, venait Bnei Israël, 3 fois par année. Sur la plaine à côté, ils s'installaient avec les tentes, ils faisaient manger tous les sacrifices. C'était extraordinaire, le sacrifice pascal, Pessah. Et après, lorsque le temple a été construit à Jérusalem, donc ils ont pris d'ici le tabernacle et l'ont amené à Jérusalem, ils l'ont mis dans le Saint des Saints. Voilà. Très bientôt, tout reviendra à Bézat Hachem. Avec la Géoula. La Géoula. Amen. Hazak.